Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, c'est Zadidik, on se retrouve pour la deuxième partie de Triple Digits, je sais plus quoi, avec AD Studio. Salut. Donc, comme vous voyez, nos skins sont un peu chelous, on a eu affaire à un gros bug, et du coup, bah, au bout d'une demi-heure de réglage, on s'est dit, bah, nique sa mère, on va le faire quand même. Voilà. Donc, si vous avez vu la première partie à 10h, on a bien galéré avec l'entraînement, la forêt, les pyramides, le volcan, la caverne. C'est plus un de squelette aussi. Et la crypte, voilà. Et donc, aujourd'hui, pour cette édition de 20h, nous allons venir à bout de la forêt, de l'île de Ned, du désert, du marais et de l'arène finale. Je te propose de commencer sans plus tarder la forêt avec les Wizard Squelettes. Par contre, pour moi, oui, bah oui, bah, oui, pas de souci. Tu connais les Wizard Squelettes? Les Wizard Squelettes. Et ben, on va voir ça tout de suite. Tu les connais? C'est les squelettes, tu sais, qui font 3 de haut, qui sont dans le désert avec des épées. Ah non, parce que moi j'ai même quand je jouais sur PS3, j'étais jamais vraiment en survie, et puis quand j'allais en survie, je faisais pas le nether. Ouais, en gros, sache que quand ils te tapent, ils te foutent l'effet de Wither, ça veut dire c'est une espèce d'effet de poison, mais qui est plus lent que le poison, mais par contre, tu ne sauras pas où tu en es niveau cœur à partir du moment où tu as été Wither. Ouh, ça va être chaud. Du coup, il faut trouver le bon truc. Faut avoir une bonne armure. La seule qui a une bonne armure, je crois que c'est la pioche en or, mais bon, elle est un peu pourrie au niveau des dégâts. Ou au pire, être fortifié. Le sentinelle. Allez, hop, je prends le sentinelle, ouais, c'est parti. Elle a l'air d'être pas mal du tout. Ah putain, ça y est, je suis déjà wizard. Oh non, moi je crois que je suis mort, moi aussi, t'inquiète pas. Ah, je vois tes cœurs. Je vois combien tu en es. Tu en es à 93 là, et moi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je suis perdu. Aidez-moi. Je sens que celui-là, on va pas le faire d'un coup. Hein. Oh non, je pense que là, je pense que pour la deuxième partie, on va bien y aller. Ouais. Les choses sérieuses commencent. À mon avis, on va rester là pendant au moins une bonne dizaine de jours. Et tu vas voir, l'île de Nen, va falloir battre 50 dragons. Non, à mon avis, ce sera sûrement les Enderman. Les fameux Enderman, ils vont se téléporter dans tous les sens, à mon avis ça va être chiant. Ouais, ça risque. Donc, là, j'étais en train de voir mon cœur qui descendait, mais putain, mais qui c'est qui me tape? Mais non, en fait, je suis juste empoisonné. Niveau cœur, t'en es à 75, ça va, et moi? Je sais pas où je peux voir ça. Sur ma tête. Ah merde, bon attends, 5... 49. Ah vache, j'ai bien descendu, mais tu branles rien en même temps. Je branle rien, mais ça va, bon. Quand même. Ah si, ouais. J'arrive à voir mes cœurs, mais de manière très superficielle. Est-ce que j'ai bien mis le micro pour le tournage en fait? Ouais. Ah oh bah t'aurais pas mis le micro, t'aurais pas été dans la merde. Ah oui, il me reste plus beaucoup niveau vie, t'es à 46 toi. Allez, il m'en reste 20 à me faire et je vois ma vie qui descend. Je vais pas mourir à 99. Ça va, ils sont tous sur toi, ça me laisse la marge. Merci. Ah, vu que c'est moi qui fais tout le boulot. Hein. Bon, ça va, je suis à 60. Bah, ok. Je suis moitié plus que toi. Ouais. Attention, encore 3. 1, 2, et 3. Et là, voilà. L'île de l'Inde est débloquée. Ah non, c'est même pas les... Oh, c'est les Endermites. Tu vois les Silverfish? Ouais. Bah c'est ça, mais version Nether. Enfin, version End, pardon. Ils sont tous violets, là. C'est chiant. Par contre, ça va être drôle, ça va être bien mignon. Par contre, ça... ils ont pas beaucoup de vie, et j'ai bien envie de tester le pyromane. Ouais, c'est parti. Allez. Fire... Ah, j'ai une Fire Aspect 3 en gros, ils vont cramer. Ah, il faut... Ah, vache! Il y en a 3 qui m'ont touché, j'ai perdu 3 coeurs quoi. Ah, c'est chiant! Ah, c'est un peu casse-couille, oui.
Je vois toute ma vie qui descend, je fais non. C'est pareil. J'ai limite envie de me c'est sauter dans le vide, tu vois. Je vais faire. Je suis tellement têtu, je préfère me suicide. Je vais faire sauter dans le vide plutôt que me faire tuer par ces merdes. Ah, ça va de temps en temps. On dirait des rats. Des rats violets. C'est des raviolis. Des rats qui ont pris de la drogue, tu vois. C'est mes rideaux bleus. C'est des rideaux bleus, voilà. Ils ont été reconvertis. C'est les rats du rideau de Zedigic, en fait. Oh putain, j'ai plus beaucoup de vie là. Il m'en reste pas. Pareil, moi, il reste. Si, quand même. Il me reste moins d'une barre, il me reste 14 kills à faire. Ah, ça va vite, hein. C'est juste que c'est un peu chiant. Mais sinon, ça va assez vite. Plus que 4, j'ai pas envie de mourir. Oui. Ah, oui. Ça va, on se rapproche de l'arène finale. Les lasers. Oh non, les pigmen. Tu connais bien les pigmen, je parie. Oh oui, ce genre de mob, t'en tapes un et t'es mort, quoi. Allez, je vais prendre l'assassin. C'est parti. Attention. Ah oui, ils ont déjà l'aggro sur toi, c'est déjà bien. Bah oui, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes, toujours pour ma gueule. Ah non, ça y est, c'est moi. Bah à chaque fois qu'on la tape un, ça change l'aggro, c'est assez marrant en fait. Écoute, tu vois tous les zombies te sauter dessus, puis d'un coup ils viennent sur moi. C'est ça. Par contre, les pigmen, faut faire gaffe parce que c'est les meubles les plus puissants de Minecraft d'ailleurs. Hein. Enfin, j'espère qu'ils ont été bridés parce qu'ils sont vraiment puissants, hein, les meufs. Et les pigmen. Hein. Et c'est ceux qui mettent le plus de dégâts. Surtout qu'ils sont en groupe, donc tu fais gang-bang, quoi. Ouais, totalement. Là, c'est merci Jacques Michel. Hein. Yeah. Ah, le doux son des pigmen. Putain, j'en ai fait que 30. Oh. On n'avance pas. Et je suis déjà presque plus de ma vie. Oh ouais, c'est pareil, là, j'aurais dû prendre le truc avec 180 de vie en fait là. C'est un peu le bordel. Ah bah voilà. Putain, j'en suis même pas à la moitié. Je te rejoins. Ah, je vais crever. Ah oh, merde. Ma première mort, applaudissez-moi. Attends, je vais prendre le truc avec plus de vie là. Le paladin. Ah non, c'est pas le paladin, je suis con. C'est lequel? C'est le berserker, le mec avec la hache. Go! J'ai une hache en diamant, qu'est-ce que vous allez faire? Si j'ai tenu la moitié avec la moitié de la vie que j'ai maintenant, si je m'en sors un peu mieux, on devrait pouvoir tout faire là. Oh merde, j'ai one-shot même pas avec. Oh merde! Sont tellement puissants les pigmen, quoi. Pourquoi c'est tout pour ma gueule là? Bon, t'inquiète pas, je m'en tape aussi. Oh hein. Bah, je te laisse faire un coup. Pourquoi y'en a qui vient sur moi, fils de chien? Le mieux, je crois, c'est de se mettre sur des escaliers et attendre qu'il vienne. Quoique, non, en fait, c'est pas une bonne idée. Moi et mes idées, quoi. Attends, je tue un peu ceux qui sont derrière toi. N'hésite pas à tuer ceux qui sont derrière moi aussi. Ouais, bah moi je fais en fait, je fais le tour de la map en fait. Pour éviter que je me fasse un peu encercler de tous les côtés. En plus, il y a de la soul sense donc ça te ralentit. C'est pas grave. Ça va, je m'en sors mieux niveau vie. Moi ça, on va dire que ça va aller aussi. Ouais, bah je suis à la moitié et j'ai même pas perdu la moitié de ma vie encore. J'ai pas perdu l'équivalent de ce que j'ai perdu tout à l'heure pour le même nombre de kills. Quoique là. C'est bon, allez hop. T'as parlé un peu trop vite. Hein. Oh, ça va. J'ai perdu moitié vie, j'ai fait plus de la moitié. Donc si ça devient pas trop chaud, ça devrait le faire. Est-ce que tu m'entends? Ouais. J'ai eu un bug de co pendant un petit moment. Ouais, bah tu viens d'être tué. Ça bougeait plus. Oh putain, merde.
sur vous. Ah merde, ils sont tous sur moi, ça va être chaud. Il y a vite m'aider, il me reste plus que 8 à faire et je suis short niveau qui vit. Ah. Oui, oui, oui. Ah. Ah, ah merde, je suis dedans moi là. Bah laisse-toi tuer. Allez, tuez-moi, faites-vous plaisir. Ah, on a déjà débloqué l'avant-dernier, ça va très vite, ça va très vite. Et on est qu'en difficulté normale, t'imagines, en mode extrême. Alors, t'es mort ? Bah, pas encore, hein. Il me reste beaucoup de vie d'ailleurs, encore. On a le temps. Oh putain, c'est les sorcières dans le marais. Ah, l'avant-dernière. Alors, les sorcières, il nous faut beaucoup de cœurs par contre. Je vais pas prendre le berserker, ça fait un peu trop cheaté. Je vais prendre l'alchimiste. Ouais, je vais prendre le berserker, hein, rien à foutre. Bon, faut que ça soit cheaté. Bonjour, petite sorcière. Ok, mes cœurs sont déjà verts. Merci, allez vous faire foutre. Ah, c'est pour ça, j'ai déjà pris ma potion d'adrénaline. Pour avoir un peu plus de pêche. Tout pour ma gueule. Les potions de poison, elles volent dans tous les sens. Putain, mais elles spawnent dans l'eau en plus, c'est bâtard. Hop, une petite potion de vie. Quand il y en aura beaucoup, je vais lancer une petite bombe chimique. Hein. Ah, ça pourrait être pas mal, hein. Bah, pour l'instant, ça va encore. Moi, je me prends toutes les potions. Quoi que, attends, là. Hop! Ah merde, ça les tue pas les bombes chimiques. Quoique si j'en revois une. Non, même pas, putain, c'est pas assez puissant. T'as les sorcières, j'ai un mauvais souvenir. Quand je faisais ma série sur l'ancienne chaîne, ça s'appelait comment ça s'appelait What the Mod. Où c'était une survie avec un mod et le but était de faire tous les crafts du mod, mais j'avais arrêté parce que c'était trop long et que j'ai changé de chaîne d'ailleurs ensuite. Ouais. Et je me souviens, en plus j'ai un manque de motivation parce qu'à un moment où j'étais parti en exploration pour chercher un bloc qu'il me fallait, je suis tombé sur une espèce de mini caverne et à un moment en entendant un zombie, je voulais voir ce qu'il fait et en fait quand à court je suis tombé, j'ai perdu la moitié de mes cœurs dans la chute, je suis atterri sur le bord d'une falaise, j'avais trop de la chance. Et t'avais deux sorcières en face qui m'ont attaqué. Les salopes, sorcières merde. Et du coup, je suis mort comme une merde. J'ai pas pu récupérer mon stuff. Parce qu'il m'a fallu genre un quart d'heure de marche pour y aller quand même, hein. Un quart d'heure de marche. Le truc qui fait trop de la peine, tu sais. Et comme les stuff despawn au bout de. Oh putain, il me reste 4 coeurs là, il m'en reste que 20 à tuer. Moi ça va, j'ai mis des élixirs de vie. Attends, j'envoie une ça va être foutu j'envoie pour moi. J'envoie une bombe chimique. Bim. Ça va être foutu pour moi à 10 kills, s'il te plaît. Oh la merde. Il va se faire tuer à tous les deux. Oui, il me reste un demi coeur. Il me reste un demi coeur et 9. Il m'en reste 9, il m'en reste juste 9. Oh non. Je suis à la moitié, voilà. Putain, il me restait moins de 9 kills, quoi. Oh, oh la deg. Oh putain. Aide-moi, je suis dans la merde. J'arrive. Il me reste 4 coeurs. C'est bon, élixir de vie. Ah. Faut que je me mette à l'écart. Vos mères. De toute façon, maintenant on peut compter plus que sur toi parce que moi pour te frapper, maintenant c'est un peu chaud. Donc j'essaie ouais. De te dégager un petit peu le coin, mais. Si tu m'entends dire AFK, faut que tu me protèges pour pas que je me prenne des trucs pendant que. AFK Voilà. Ils s'envoient des potions de poison sur elles-mêmes en plus, c'est trop marrant. Ah, s'en foutent, c'est des kamikazes. Ouais, elles s'en foutent. C'est ça, elle ne m'est pas réussi que j'ai imaginé dans ma tête. J'aime bien imaginer des paroles. Crevez. La mort vous attend. Allez, plus que 22. Enfin, 12, pardon. Ah non, 22. Allez, plus que 19.
La victoire est proche. J'ai failli te rattraper là quand même. Hein. Ah, je pense que c'est bon, hein. Il me reste moins de 10 coeurs là. Ça va aller. Je me prends un élixir de vie et une potion d'adrénaline et je me bute les 4 derniers. 1, 2, 3, 4. Ouf. Il reste une ligne de coeur. Bon, maintenant, l'arène finale. Est-ce que tu es prêt? Oh, attends 2 secondes, je vais me chauffer. T'es chaud? Je suis prêt. Oh putain, c'est un Wizard Boss. Oh. Non, pas le Wizard Boss. On essaie l'assassin? Vas-y. Allez, go! Il y en a qu'un, tu es. Ah oui, donc il est pas encore là. Donc voici l'arène finale. Putain, je croyais que c'était le vide et qu'il fallait sauter sur le truc en or, j'étais en train de me dire ça. Bon. Attention, t'es prêt pour la raid finale? On va dire que oui. Go! Wouah! Eh, c'est Bagdad ici ou quoi là? Il envoie ses têtes en plus. Je suis en train de l'attaquer. Oui! Allez, allez, allez! Putain, j'ai perdu trop de cœur! Faut que je régène! Putain, il poursuit, il faut que je le rattrape lui! Faut que je régène! Putain! Je reviens! Dépêche-toi! Trop tard! Oui! Oui! Allez! T'es où? Je suis là! Je te vois pas. Bon bah, je suis rentré quand il est mort. Ah, t'as été tué! Du coup, y'a que moi qui vois le truc de fin! Bah, en fait, je suis rentré dans la map, j'ai vu le truc tomber comme une merde, et puis terminé. Bon, en tout cas, donc merci d'avoir été là, et donc peut-être une prochaine fois pour un autre Friday Summer Show. Ah, bah oui! Ah oui! Et je rappelle juste avant, donc la semaine prochaine, y aura pas de Friday Summer Show live, vu qu'on sera en pleine semaine de l'Epic Summer Show! Semaine de live complet. Voilà, une semaine de live complète du jeudi 23 au mercredi 29 juillet. Donc du jeudi 23 au mardi 28, ce sera de 23h à 2h tous les jours sur ma chaîne perso. Et le dernier jour, ce sera de 14h à 19h et de 21h à 3h sur ma chaîne perso aussi. Et moi, je serai là, personnellement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on fera un peu de tout toute la semaine. On verra, on trouvera bien des choses à faire. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc très important, mais je m'en souviens plus. Ah, ça c'est problématique. Ouais. Et allez, vous avez dit comme toi, donc 23h, 2h, tous les soirs. Oui, et donc je compte y mettre pas mal de suites. Ah oui, et concernant du coup le Friday Summer Show, toutes les vidéos de la semaine sont maintenues, même si ça va être chaud pour les tourner. J'aurai un peu plus de temps pile la semaine là, c'est pour ça bien sûr que j'ai prévu autant de screens, parce que c'est la semaine où j'ai plus de temps de toutes les vacances. Ensuite, le vendredi d'après, donc vendredi 31 juillet, il n'y aura pas de stream Friday Summer Show parce que je me lève genre à 3h30 du matin le lendemain et du coup ça va pas être très possible si tu vois ce que je veux dire. Ça risque de pas l'être, non. Voilà. Et donc il n'y aura pas de stream, la semaine suivante, ni de vidéo d'ailleurs parce que je ne serai pas là. Et du coup les vidéos reviendront, si je ne m'abuse, je vais regarder mon calendrier. Les vidéos reviendront à leur rythme normal dès le 11 août et le Friday Summer Show reviendra. Et le Friday Summer Show reviendra en stream dès le 14 août, voilà. Et du coup, je propose de me laisser tomber dans le vide pour finir en beauté. C'est ce que j'ai fait, mais c'est très long.
Ok, on est. Aïe, on est. Attends. On est à la couche 94, ça. Bon, du coup, madame, mademoiselle, monsieur, merci d'avoir suivi ce Friday Sour Show. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel. Pour un nouveau, pardon, Friday Sour Show!